En manchette, aujourd'hui, projet de plus de 300 000 $ à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 22 novembre. Hier soir, en séance extraordinaire, les élus de la municipalité de Saint-Cuthbert ont confirmé l'octroi d'un contrat pour la construction d'un nouvel entrepôt. Un projet de plus de 300 000 $. On écoute un extrait de cette séance spéciale des élus. C'est bon ici. Le point 2, appel d'offres pour la construction d'un entrepôt au garage municipal. On en profite, comme j'ai dit, de déposer ce point-là. Parce que les délais sont là, puis on veut que notre garage soit bâti, tout fini pour le 31 mai maximum. Donc, exactement. Donc, l'appel d'offres, on a ouvert les enveloppes le 14 novembre. Donc, on a eu, comme soumissionnaire, on a eu gestion BGC qui a soumissionné un montant de 300 000 91,82. Tous les montants que je veux dire sont taxes incluses. Construction Hébert et Hébert pour un montant de 382 380. Le groupe Panorama pour un montant de 383 250. Ensuite, le Construction Longpré pour un montant de 418 841 $28. Entreprise Philippe Denis pour un montant de 435 870 $22. Et finalement, le groupe Lasco pour un montant de 482 514. Donc, le groupe BGC est le plus bas soumissionnaire et sa soumission est conforme. Donc, comme on avait discuté en séance de travail, vous avez accepté d'aller de l'avant avec la soumission de gestion BGC. Ouais, donc, la construction de l'entrepôt n'incluait pas le branchement électrique. Donc, on a été en soumission avec auprès de Guy Bourgeot et fils et de F. Branconnier électrique. Donc, Guy Bourgeot et fils est sorti à 14 250 $ avant taxe. F. Branconnier électrique est sorti à 14 616 $ avant taxe. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Guy Bourgeot et fils. Le Comité pour la protection des berges dans Berthier-Masquinongé fait des vagues jusqu'à Ottawa. On en a parlé un peu hier, on poursuit aujourd'hui. Après une réponse du gouvernement jugée décevante et insuffisante, à la pétition déposée il y a quelque temps, les membres de la société civile de Berthier-Masquinongé se sont levés pour demander au fédéral sa juste part dans la protection des berges du Saint-Laurent. Comme il s'agit d'un champ de compétences fédérales et que plus de pression semble nécessaire, un nouveau comité de citoyens a été mis sur pied lundi le 14 novembre dernier pour réclamer un programme de soutien. Dans le cadre d'une étude initiée par son collègue Xavier Barcelou-Duval, député de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères et porte-parole en matière des transports, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron aura permis à plusieurs membres de témoigner au comité permanent des transports, c'est ce qu'on a pu entendre hier à notre bulletin d'information, afin que ces derniers puissent partager la situation désastreuse à laquelle les riverains font face dans la circonscription. Roy Grégoire de Saint-Ignace, fondateur du comité, Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace de Loyola, et André Villeneuve, maire de Lanoraie, sont ceux qui ont pris la barre. Des témoins la semaine dernière, donc, leurs témoignages ont été percutants et bien reçus, nous dit-on, par les membres du comité. Le député Perron tient d'ailleurs à remercier les maires des municipalités pour leur soutien et leur implication dans ce dossier. On le cite, « Sans leur travail de proximité, la nouvelle offensive pour la protection de nos bandes riveraines serait extrêmement difficile. » Nos maires sont proactifs et à l'écoute des gens de leur localité. Ils permettent de remonter l'information et d'éclairer les décisions qui se prennent à plus haute échelle.
Un grand merci donc à André Villeneuve qui a prêté les locaux de la municipalité de La Noraie pour accueillir les rencontres de fondation du comité, a-t-il mentionné. C'est en travaillant ensemble qu'on va arriver à quelque chose, a-t-il ajouté. Le député Perron poursuit, au cours des prochains mois, le comité citoyen organisera d'autres rencontres durant lesquelles il garde la porte ouverte aux gens qui voudraient s'engager. Vous êtes donc invité à contacter Roy Grégoire au courriel suivant, Roy, R-O-Y, Grégoire, sans accent, à commercial@hotmail.com. Si vous désirez vous joindre au mouvement, lance le député et mettre la main à la pâte, a-t-il conclu. Toujours au sujet de ce comité, rappelons les grandes lignes, on vise le rétablissement d'un programme de protection comme celui qui existait dans les années 90. On souhaite que soient terminés les travaux de protection qui n'ont jamais été complétés le long des berges. On vise une aide financière gouvernementale aux municipalités riveraines qui serait nécessaire afin d'effectuer les travaux d'urgence lorsque les infrastructures telles les réseaux d'aqueducs et d'égouts risquent d'être emportées par l'érosion et que l'archipel du lac Saint-Pierre, on veut le rappeler, est le poumon du fleuve, également c'est reconnu par l'UNESCO. Les travaux inachevés le long de la voie maritime retiennent les glaces au printemps et ça cause de sérieux dommages, mentionnent les membres du comité. Des milliers de dollars, nous dit-on, ont été investis par les citoyens pour l'empierrement de leur terrain, voient aller leur investissement partir à la dérive en raison de ce qu'ils mentionnent, l'inaction des gouvernements. On dit qu'il y a plusieurs facteurs à cette érosion, certains travaux inachevés par le gouvernement fédéral, la navigation, la fluctuation du niveau des eaux, les changements climatiques. Il y a des études qui démontrent clairement que les vagues engendrées par les navires sont aujourd'hui plus puissantes et même plus puissantes que celles causées par les vents. La navigation serait, nous dit-on, responsable de 70 % de la fluctuation du niveau d'eau sur le Saint-Laurent. Ces fluctuations, on poursuit, ont un effet non négligeable sur l'érosion des berges situées à proximité du chenal. L'impact des vagues liées au transport maritime serait, quant à lui, responsable de 60 % de l'érosion de ces berges. Environ 4 500 navires empruntent le fleuve annuellement. Donc, le comité souhaite s'adjoindre d'autres bénévoles pour pousser son action et faire pression sur le gouvernement fédéral. On le rappelle, c'est avec plaisir que CTRB s'associe avec la salle Le Frontenac pour vous permettre d'assister ce samedi, si vous gagnez ces billets, au souper-spectacle donc du 26 novembre, mettant en vedette le groupe Passe-moi le Poc, hommage au coloc. On rappelle que c'est le même groupe qui a été présenté à Berthierville, qui a présenté son spectacle à Berthierville il y a quelques mois dans le parc Sainte-Geneviève. Ça avait évidemment plu à beaucoup de monde. On nous dit que le spectacle est complet. Donc, si vous n'avez pas vos billets et que vous aimeriez y aller, une façon peut-être de mettre la main sur ces billets, on vous invite à composer le 450-836-5103. 450-836-5103, c'est le numéro de CTRB. On fera tirer une paire de billets, ça vaut 140 $ pour souper et spectacle au Frontenac à Berthierville ce samedi. Le tirage se fera jeudi midi, le 24. On écoute un petit extrait de leur spectacle. On se fait le vendredi, vivant, vivant, vivant! On dépanne, ça jette à une grosse cigare. J'ai dit pourquoi tu me dis, c'est pas que je me dis, j'ai dit ah ouais, ah bon. On m'a demandé si c'est dingue, le premier fait que je rencontrais. Il dit Julie, oh, je suis ménage, j'avoue que ça prend la fois soir. Julie, ça va même les blondes chauds. Ah, comme, ah, oh, 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 ma petite Julie, c'était pas si jeune, je t'aurais pris. Si tu veux que je t'aime, que ma servie, tellement je vois quand t'as 20 ans. Vivant de bébé, 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 vivant de bébé
Donc, 450-836-5103 pour vous inscrire à ce petit concours. Allons à la pause. En ce 22 novembre, les anniversaires. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter bonne fête à Jeanne d'Arc Harper, à Pauline Morin et à Esther Mamamo. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Fleurette Marcil. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 22 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit par rapport au député fédéral Yves Perron. Yves Perron et le projet de loi concernant la gestion de l'offre. CTRB a rencontré M. Perron il y a quelques jours. Il nous a parlé du projet de loi déposé par le Bloc québécois qui vise à interdire toute concession du système de gestion de l'offre lors de futures négociations d'accords commerciaux. Le député nous parle aussi des compensations qui vont être envoyées aux agriculteurs dans les prochains mois. On écoute un premier extrait. Étant porte-parole en agriculture et tout, j'ai vu passer la semaine dernière une conférence de presse qui disait, comme on pourrait dire dans en bon québécois, les chèques sont en poste. C'est ça, hein? Les compensations pour les accords qu'il y a eu avec, concernant la gestion de l'offre et des points que les agriculteurs ont accordés là, au gouvernement pour conclure des accords. Là, les compensations arrivent. Là. C'est des cadeaux de Noël, ils sont en retard, mais c'est des cadeaux de Noël qui étaient dus depuis longtemps. Là. En fait, oui, ils sont très en retard, puis les chèques ils vont être en poste. Là, actuellement, ce qui est en poste, c'est qu'on termine la compensation pour l'accord avec l'Europe puis le partenariat transpacifique. Puis tant qu'au paiement pour l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique qu'on réclamait en cognant sur le bureau depuis plusieurs mois, là, ben ça a été annoncé, mais là, les versements vont commencer en 2023, puis ça s'étire jusqu'en 2029. Okay. Donc, c'est pas tant que tout est réglé, mais au moins, c'est annoncé, c'est budgété, les gens vont l'avoir. Puis les gens, les producteurs se disent satisfaits de ces ententes-là. Fait que nous, ça va de ce côté-là. Ça fait long, mais au moins, on a fini par respecter une promesse de verser à l'automne, d'annoncer les versements à l'automne, on est content. Sauf qu'il faut s'arranger pour ne plus jamais avoir besoin de compensation. Et pour ça, il faut protéger nos secteurs sous gestion de l'offre par force de loi avant qu'il y ait une négociation d'une nouvelle entente commerciale. Donc, oui. Mais si on résume, est-ce que les montants sont conformes aux promesses? Est-ce que tu as vu un peu l'ampleur des montants? C'est ce qu'on m'a dit. J'ai validé avec le milieu ensuite. Donc, on me dit que c'est dans les ordres de grandeur de ce qui était demandé. Là. Donc, okay. Sur ce côté-là, ça va. Par contre, il y aura des négociations commerciales. Il y en a avec la Grande-Bretagne présentement. Il y en aura avec l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, qu'on appelle le Mercosur. Il y en aura dans l'avenir tout le temps. Et peu importe les politiciens qui sont en place, personne ne peut nous garantir que ce sera le même chef dans un an, dans six mois, dans deux ans. Personne ne peut nous garantir que ce sera le même parti au pouvoir non plus. Non, donc, c'est bien. Il faut en chasser la protection. Tout le monde, tous les députés à la Chambre des communes, là, si vous leur posez la question, tout le monde va se lever avec la main sur le cœur et ils vont dire « on va protéger la gestion de l'offre ». On ne donnerait plus jamais rien. Ben, quand on est prêt à promettre, moi, dans mon livre, là, on est prêt à mettre ton nom sur le papier. Fait que là, c'est ça qu'on veut. Là. On veut la loi formelle. Fait que là, on a fait la première heure de débat la semaine dernière et le vote aura lieu là, quelque part au début février. Okay. On mobilise le milieu, évidemment. Puis là, s'il y a des gens qui nous écoutent, moi, je vous dis, appelez vos députés. Expliquez-leur c'est quoi la vraie vie, puis c'est quoi la gestion d'offres, qu'est-ce que ça apporte dans vos communautés. Ça, c'est important aussi. OK. Donc, on résume. Là, le projet de loi est vraiment déposé. Vous voulez que ça soit figé dans le temps maintenant, comme tu dis, dépendant des gouvernements, dépendant de tout ce qui peut se passer, que les prochaines négociations soient vraiment… ça ne fasse plus partie des négociations. C'est ça que je comprends.
Absolument. Ce serait comme la lettre de mandat. T'sais, le ministre du Commerce extérieur, quand il s'en va négocier une entente, il y a des directives là, de la part du gouvernement, de la part du premier ministre. T'sais, essaye d'aller chercher tel aspect, ça, tu touches pas à ça. Mais ça sera écrit là-dedans, la gestion de l'offre, tu la défends avec Guillaume. Puis si jamais un gouvernement veut redonner quelque chose à la gestion de l'offre, il faudra qu'il revienne devant le Parlement. Et ça risque d'être pas mal plus difficile, là. Dans ce même sujet, écoutons l'allocution du député Perron en Chambre des communes. Écoutez, Madame la Présidente, on est au moment de vérité. On est au moment où on va faire la répartition entre les parlementaires qui s'exercent à faire de vagues promesses qui n'ont pas nécessairement l'intention de tenir, et entre ceux qui sont prêts à écrire leur nom sur le papier. Parce que dans la vraie vie, Madame la Présidente, quand on prend un engagement, on est prêt à mettre son nom sur le papier. Et des engagements de promesses vagues, de protection, de gestion de l'offre, nous en avons eu une tonne. Des motions unanimes, nous en avons eu un paquet. L'honorable collègue de Montcalm en a fait état tantôt. L'Assemblée nationale du Québec a plusieurs motions unanimes aussi. Donc, c'est une volonté générale. Il est temps de la mettre sur papier dans une loi. Ce sera un baromètre à promesses vagues, Madame la Présidente. Cette loi-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inscrire dans le mandat du ministre du Commerce international l'obligation de protéger les secteurs sous gestion de l'offre. Ça va être écrit dans sa lettre de mandat. Vous savez, il y a beaucoup de parlementaires qui essaient de nous faire croire que ça se peut pas, qu'on va nuire au commerce. J'écoutais le secrétaire parlementaire tantôt. Honnêtement, je suis très déçu du contenu de son discours. Puis quand il nous dit, écoutez, je vais prendre 30 secondes pour y répondre, quand il nous dit que les gens du Bloc n'ont jamais prouvé qu'ils ne tenaient pas leur parole, « Hey, vous avez signé deux fois. » Et non seulement ils ont signé deux fois, Madame la Présidente, mais dans le dernier accord commercial, l'ACEUM qu'on a signé avec les États-Unis, on a éliminé la classe 7, qui était les sous-produits du lait, qui était une entente parfaitement légale qu'on se faisait à l'interne entre les producteurs et les transformateurs. Et ils ont fait ça parce que nos exportations de sous-produits laitiers dérangeaient les Américains. Mais vous savez pas quoi, Madame la Présidente? Non seulement ils ont donné, mais ils se sont couchés à terre. Parce qu'ils ont donné la classe 7, puis ils ont donné la permission à un pays étranger de contrôler la quantité de produits qu'on exporte dans un tiers pays. Ça se peut-tu? C'est incroyable! Puis ça a le culot de venir nous dire qu'on n'a pas prouvé qu'ils ne tenaient pas leurs promesses. Voilà, ma montée de lait est faite. J'espère qu'ils écoutaient. Je reviens à mon texte. Faut comprendre, Madame la Présidente, c'est quoi la gestion de l'offre pour comprendre pourquoi c'est important de le protéger. C'est trois axes. On contrôle la quantité produite, on contrôle le prix. Jusqu'à là, ça va bien. Mais pour être capable de contrôler la quantité produite en fonction de contrôler le prix, il faut être capable de contrôler ce qui rentre de l'extérieur. C'est comme un tabouret à trois pattes. Ça prend trois points d'appui pour que ça reste en équilibre, stable et droit. Là, le gouvernement conservateur d'abord et le gouvernement libéraux ensuite s'amusent à couper des bouts sur la troisième patte, Madame la Présidente. On est allé couper une section de la patte de ce qui rentre de l'extérieur dans le premier accord, dans le deuxième, dans le troisième. Là, notre banc, il tient encore, mais il est sur le camp, Madame la Présidente. Heureusement, nos producteurs sont bons, sont fiers, sont braves, puis ils travaillent, puis ils font fonctionner le système. Mais si on ne le protège pas maintenant, il y aura de nouvelles négociations d'entente internationale dans les prochains mois, dans les prochaines années. Qu'on pense à la Grande-Bretagne, qu'on pense au Mercosur, qu'on pense à n'importe quel axe. C'est une tendance mondiale et c'est correct et c'est normal. Ah, puis pour répondre à une autre question, secrétaire parlementaire, oui, le Bloc québécois est en faveur du commerce international. Le Bloc québécois, par exemple, il a lu les règles de l'OMC. Puis s'est rendu compte que dans les règles de l'OMC, chaque pays a le droit... C'est légitime de protéger certaines sections de son économie. Et tout le monde le fait, Madame la Présidente. Les fameux Américains qui se plaignent tout le temps, là, ils protègent le coton, ils protègent le sucre. Comme les Japonais protègent leur riz.
Bien, au Canada pour Québec, on protège nos secteurs sous gestion de l'offre. C'est tout. C'est simple de même. Parce que ce système-là, il fonctionne bien. Puis on l'a vu dans la dernière pandémie, Madame la Présidente. Ça a été relevé aussi par mon brillant collègue de Montcalm, avec qui j'ai le plaisir de partager la charge de mettre en valeur ce projet de loi fondamental. Écoutez, si on enlève la gestion de l'offre, parce que là, le secrétaire parlementaire et le gouvernement, ils ont deux choix, là. Soit on protège, ou soit on continue de tuer à petit feu. Puis moi, j'ai déjà dénoncé dans cette chambre à plusieurs reprises, Madame la Présidente, le gouvernement pas de courage, avec des intentions négatives, de faire disparaître la gestion de l'offre sur 10, 15, 20 ans, mais pas que ça lui coûte rien. Donc, on enlève un petit bout, on les laisse vivoter, on enlève un autre petit bout, on les laisse vivoter, on leur donne une compensation. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la ministre d'avoir respecté sa parole pour verser les compensations finales à l'automne. On est contents, les producteurs sont contents, c'est un dossier réglé. Maintenant, arrangeons-nous pour plus que ça arrive jamais. Passons à l'histoire, Madame la Présidente, et j'invite chacune et chacun des parlementaires ici à faire un geste de respect envers les gens qui nous nourrissent, qui se lèvent tous les matins. Ils travaillent fort. C'est un système magnifique. Mon collègue a parlé du Wisconsin. J'ai plusieurs collègues, en fait, qui en ont parlé du Wisconsin, où les fermes sont énormes. Vous savez, un troupeau moyen au Québec, là, c'est comme 87 vaches, là. Bien, aux États-Unis, la moyenne, c'est plus que 300. Puis vous avez des fermes qui sont beaucoup plus grosses que ça. C'est ça qu'on veut, du lait boosté aux hormones, sur des méga-fermes. Pourquoi c'est des méga-fermes? Parce qu'ils ont libéraliser leur marché de façon sauvage. Nous autres, on a été assez intelligents pour se donner un système qui fonctionne bien. Puis quand les gens des autres parties me parlent du porc qui fait l'exportation, puis tout ça, je suis très fier de mes producteurs porcins, moi aussi. Puis je ne veux jamais leur empêcher de faire des exportations. Puis je m'adresse aux gens de l'Ouest qui veulent nourrir le monde, qui veulent exporter davantage de grains, entre autres. Ben oui, on est capable de faire ça, et de protéger notre secteur névralgique de gestion de l'offre qui nous donne une base solide de souveraineté, de résilience alimentaire, Madame la Présidente. Fait que j'espère que j'entendrai plus d'inepties comme j'ai entendu tantôt, parce que le dernier vote, parce que vous savez que c'est la deuxième fois qu'on fait ça, hein, parce que ce gouvernement-là s'amuse soit à proroger quand il y a un petit scandale, soit à lancer une élection, parce qu'il y a trop de projets de loi compromettants pour lui qui sont en cours. Mais la dernière fois, ils ont voté pour. Et je les en remercie. Je les invite chaleureusement à faire la même chose, Madame la Présidente. J'ai été ravi de la réponse que le premier ministre m'a donnée à la dernière législature, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'ils allaient nous appuyer? Et je vais vous nous rappeler à tous qu'à l'époque, j'avais lancé une main tendue aux gens du Parti conservateur, qui étaient les seuls à ne pas être là avec nous autres dans l'équipe pour protéger notre secteur. Ils ont été divisés, comme mon collègue du NPD l'a mentionné tantôt. Je leur avais tendu une main, et je l'attends encore, cette main-là. Les gens de nos campagnes, nos producteurs sous gestion de l'offre, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de prévisibilité. Si on ne vote pas cette loi-là, le message qu'on leur envoie, c'est vendez vos quotas pendant qu'ils valent encore quelque chose parce qu'on ne vous garantit rien dans 15 ans. C'est ça le message. Et peu importe les promesses qu'un gouvernement nous fera, personne ici ne va pouvoir me garantir que ça va être le même chef dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Et personne ici ne peut nous garantir que ce ne sera pas le même parti au pouvoir non plus. Collectivement, le momentum est là. Les producteurs nous le demandent. Ils nous regardent, Madame la Présidente. Les producteurs de Berthier-Masquinongé, du Québec, du Canada en entier nous regardent, Madame la Présidente. Ils ont espoir en nous. Puis je vais d'ailleurs terminer là-dessus en leur lançant un appel. Chers producteurs, mobilisons-nous. Embarquez dans le train avec nous autres, je sais que vous êtes déjà là. Appelez vos députés,
libéraux, conservateurs, peu importe la couleur, appelez vos députés, expliquez-leur c'est quoi la vie, expliquez-leur qu'est-ce que la gestion de l'offre amène dans vos communautés, parce que la gestion de l'offre, Madame la Présidente, c'est pas juste des producteurs qui ont un revenu convenable, c'est aussi des communautés qui sont vivantes, des rangs dans lesquels il y a 12 fermes à la place d'en avoir deux, ce qui fait en sorte que l'école du village n'est pas vide. C'est exponentiel, les effets que ça a dans une communauté. Nous avons besoin de protéger notre modèle et je nous demande à tous de faire le bon geste et de le faire positivement. Merci, Madame la Présidente. Au pavillon Berthier, le 15 novembre, à 88 ans, est décédée Riella. Dorothée Lévesque, demeurant à Berthierville, native du Nouveau-Brunswick, qu'elle laisse dans le deuil ses enfants, Ronald Deschênes, Lucie Garceau, Jacques Deschênes, Mariette Lecomte, Lise Deschênes, Daniel Désiel, France Deschênes, Claude Chaussé, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil Norma et Antoine Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHSLD, le château de Berthier, le 12 novembre, à 85 ans, est décédée Mme Micheline Valois, épouse de feu Roger Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé sa sœur Monique Valois, feu Roland Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Michel Fafard, Diane Mondard, Sylvain Fafard, Sylvie Saint-Pierre, Sylvie Fafard, Fugui Clément, Linda Fafard, Jean-Marc Étier, Maryse Fafard, Richard Chevalier, Carole Fafard, André Lépine, Serge Fafard, Danny Ross, Nathalie Fafard, Stéphane Latour, ses petits-enfants, Mathieu et Simon Fafard, Marie-Christine et Elisabeth Fafard, Valérie et Patricia Clément, Annie et Claude Étier, Julie Recré, Pascal et Véronique Lépine, Frédéric Fafard, Megan et Édouard Latour, ses arrière-petits-enfants. Sa sœur et sa belle-sœur, Claudette Valois, feu Roger Clément, Hélène Bergeron, feu Benoît Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 24 novembre au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 15 heures. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable avec une température de moins 1, un temps ressenti de moins 6. Mardi soir, ce sera nuageux avec éclaircie, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 7. Mardi nuit, ce sera des nuageux avec quelques flocons, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 8, moins de 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 8. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de 0. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin de nouvelles du 22 novembre. Alain Bellumaire au pépite. À demain.